Le verger, ou jardin des curiosités, se trouve juste derrière cette porte. Et ceux qui étaient aux Vieilles Charrues l'an dernier ont pu y pénétrer pour la première fois et y faire de drôles de découvertes. On travaille sur tout le territoire de la Bretagne. On rencontre du public, des spectateurs qui ont découvert les arts de la rue aux Vieilles Charrues. Et en 10 ans, c'est ce qu'on a fait avec la Garenne, et encore plus dans cet espace entièrement dédié au théâtre de rue. Fort de son succès, le Fourneau récidive et propose cette année une nouvelle scène. Et là, c'est carrément Noël au mois de juillet. Avec cette venue extraordinaire et exceptionnelle du Père Noël aux Vieilles Charrues, on donne un peu le ton. Donc c'est une forme de... Hein, ce sont des créations bien décalées, bien déjantées, hein, donc offertes par des compagnies déjà de renom. Comme les Tumble Circus par exemple, une troupe anglo-saxonne en résidence depuis 2 semaines au Fourneau, et ils n'en sont pas à leur premier festival. Il y a en Angleterre un très grand festival de musique, le Glastonbury Festival. Et à part de très bons groupes, il y a aussi beaucoup d'art du cirque, de théâtre et d'art contemporain. Cela fait 10 ans que nous nous y produisons. Et pour cette 2e édition, des artistes, il y en a à peu près pour tous les goûts, alors tenez, en voilà quelques-uns. Des bisons qui leur montrent l'horizon et leur serre.